vertu. Ici, on va essayer d'aborder ce principe en deux temps. Il est question ici, on nous demande d'honorer quelque chose. Qu'est-ce que honorer signifie pour nous? Honorer peut avoir plusieurs sens. Il peut s'agir, par exemple, de donner son respect, de donner son estime, de tenir à un certain niveau quelque chose, de regarder quelque chose avec beaucoup d'intérêt, de démontrer cet intérêt aussi. Donc, honorer engage une certaine action, engage aussi un certain état d'esprit et engage aussi, bien sûr, une certaine perspective, un certain angle dans lequel on va être lorsqu'on va poser ces actions-là, lorsqu'on va réfléchir d'une certaine manière et lorsqu'on va justement avoir une certaine perception de la réalité que l'on est en train de vivre. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande d'honorer plus précisément ici? Il s'agit d'honorer la vertu. Alors, la vertu, les vertus, peut se définir de mille et une manières, mais la vertu, essentiellement, peut être vue comme une disposition spirituelle à agir d'une certaine manière en accord avec le divin. Okay, donc ça, c'est une définition assez large. On va aller un peu plus en profondeur et puis peut-être aussi donner quelques exemples pour dire qu'est-ce que la vertu pourrait être, comment pourrait-elle être représentée ou définie. Que la vertu est une qualité, une propriété particulièrement bonne que l'on doit percevoir d'une certaine manière. Donc la vertu est souvent vue comme quelque chose de positif. Le plus souvent comme quelque chose de positif. Et bien sûr, parmi les exemples justement de ce que pourrait être la vertu, on a par exemple la justice, la loyauté, la sagesse, la compassion. Donc ce sont des vertus qui nous encadrent dans notre façon de nous comporter, mais aussi dans notre façon de penser, dans notre façon d'interagir avec les autres. Il s'agit en fait d'honorer la vertu sous toutes ses formes, d'honorer la vertu autour de nous. Donc ça veut dire qu'il nous faut reconnaître la vertu lorsqu'elle nous encadre, lorsqu'on approche, lorsque certaines la manifestent autour de nous. Il nous faut la reconnaître pour pouvoir l'honorer. Donc maintenant qu'on a fait un peu le tour, établi un peu de quelques bases communes pour savoir de quoi on parle, comment traduire ça dans notre vie tous les jours, dans notre vie moderne, dans notre vie ici à l'heure du nouveau millénaire 2017? Eh bien, il y a plusieurs manières à travers lesquelles on peut honorer la vertu. Et je pense que la charité commence toujours par soi-même. Et donc, honorer la vertu va vous demander en fait de vous engager à exprimer, à manifester cette vertu dans vos actions, vos pensées de tous les jours. Donc que ce soit de vivre votre vérité, de l'exprimer, bien sûr lorsqu'il s'agit de vivre notre vérité, de l'exprimer, d'être transparent ou transparente, il ne s'agit pas ici de blesser les autres. Donc ça veut dire qu'il y a toujours une manière avec laquelle on peut exprimer sa vérité sans heurter ou blesser les autres. Mais il s'agit là d'avoir un peu de ces quelques valeurs, ces quelques vertus et de les extérioriser, de les intérioriser d'abord pour pouvoir les extérioriser, donc de les rechercher en soi. Il y a beaucoup de valeurs ou de vertus que nous avons tous en nous. Certaines se manifestent plus facilement que d'autres. Et donc il s'agit de faire un peu cet exercice interne, de se retourner sur soi-même, de regarder ses pensées, de regarder les actions qu'on a posées par le passé et d'y faire un peu le tri pour y voir quelles sont les vertus qui se manifestent le plus, celles avec lesquelles on a le plus d'aisance justement à non seulement les comprendre, les intégrer en nous, mais aussi à les manifester, à les montrer aux autres, à les partager avec ceux qui nous entourent. Donc on commence d'abord par soi, on commence d'abord par cette réflexion interne, de se dire de quel côté, quelles sont les vertus qui à moi, qui m'appellent le plus, quelles sont les vertus que je manifeste au jour le jour, comment est-ce que je les manifeste? Y a-t-il un moyen pour moi de les manifester un peu plus facilement? Y a-t-il un moyen pour moi de les manifester mieux, de mieux les manifester?
S'il y a des vertus qui nous semblent un peu moins accessibles, qui semblent qu'on a un peu plus de mal à les exprimer, à les honorer dans cette manière-là, en prenant des actions qui vont en être la manifestation. Alors là, on peut chercher quelques outils qui vont nous aider dans cette démarche. Donc, l'interrogation est d'abord et principalement interne. On commence avec soi-même. Et ensuite, par la suite, on peut regarder maintenant son monde extérieur, on peut regarder sa réalité immédiate et voir justement comment est-ce que les différentes vertus se manifestent. Se manifestent à nous, dans notre réalité, dans nos expériences de tous les jours. Là, on peut voir qui sont les personnes, par exemple, qui nous montrent une vertu plus que d'autres. Par exemple, si on prend la loyauté, on peut regarder autour de nos amis. Les amis qu'on a, des amis qui sont loyaux, qu'on a de longue date, qui nous démontrent leur loyauté, qui nous montrent leur loyauté d'une et mille manières. Pour honorer maintenant cette vertu qu'est la loyauté dans cet ami-là, il nous faut justement montrer notre appréciation, donner notre respect à cet ami-là, lui montrer notre estime, à quel point on l'estime. Parce que c'est comme ça qu'on honore la vertu. Ce n'est pas en l'ignorant. Ce n'est pas en la dégradant. Donc, il faut avoir un peu, prendre cette initiative. Il ne s'agit pas ici de dire, ben, cette personne-là, moi aussi j'étais loyale, donc je vais attendre que cette personne-là soit loyale avec moi, ou alors me donne cette estime d'abord. Non, il s'agit ici pour vous d'honorer la vertu, de juste l'honorer. De l'honorer sans avoir à attendre quoi que ce soit en retour. Le fait de l'honorer est déjà en lui-même une habilité que vous démontrez de pouvoir même reconnaître la vertu. Et pourquoi je dis cela? C'est parce que justement dans ce monde de la modernité, dans ce monde de plein de distractions, les distractions sont très bien, je ne dis pas, elles ne sont pas forcément toutes négatives, donc, mais parfois lorsqu'on est trop distrait, on a tendance justement à perdre le fil des choses qui sont importantes, perdre aussi parfois le fil aussi des valeurs et des vertus qui sont les plus importantes qui nous entourent. Et puis on peut même aller même un peu plus loin que cela en justement attribuant notre estime ou notre respect à des choses qui ne sont pas des vertus. Donc, l'exemple de tous les jours, ce serait par exemple si quelqu'un me disait, eh bien, moi, je ne suis pas trop sûre si j'honore la vertu au quotidien, dans mes interactions. Une chose pour ça, ce serait de dire, eh bien, lorsque quelqu'un fait une chose qui démontre une des vertus, comme un ami loyal ou quelqu'un qui se met toujours du côté de la justice, ça, ce sont des choses qu'on doit montrer notre appréciation, c'est des choses qu'on doit soutenir. Et pour savoir si vous êtes du revers et que vous n'êtes pas en train de soutenir la vertu, c'est lorsque vous vous opposez à ces genres de valeurs, vous opposez à ces genres de principes comme la justice, la transparence, la vérité, l'honneur, la compassion. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est rigide. Donc, forcément, on peut avoir des moments où on est un peu distrait, justement, où on est moins focalisé sur ces choses-là et on peut ne pas forcément les voir dans la vaste manifestation qui peuvent être autour de nous. Donc, c'est à nous d'avoir un peu cette espèce de réflexe pour se dire de toujours réévaluer les choses autour de nous. Et ce n'est pas quelque chose qui est facile au début. Il faut prendre un peu ça en habitude pour pouvoir toujours voir qu'est-ce qui nous est proposé, qu'est-ce qui nous entoure et comment justement honorer ces principes-là qui nous entourent ou même les personnes qui les manifestent autour de nous. Donc je pense que ça va être notre petite leçon de cette semaine, d'un peu nous encourager les uns les autres, surtout s'engager toi-même à faire. En premier, cette démarche interne pour se connaître soi-même, pour trouver la vertu en nous, pour l'honorer en nous. Vous savez, la vertu en nous, c'est un peu comme une petite plante, une petite graine qui a été plantée depuis qu'on est petit, et qu'il nous faut arroser, qu'il nous faut continuer de cultiver pour qu'elle puisse vraiment grandir, prendre racine et devenir vraiment intégrale à nous-mêmes. Et donc cet exercice-là, une fois qu'on l'a fait en interne, il va venir soutenir maintenant les démarches qu'on peut faire à l'externe et ça va bien sûr nous faciliter aussi
notre effort, lorsqu'on regarde et on recherche ces vertus autour de nous, ça va aussi nous aider à honorer ces vertus lorsqu'elles sont manifestées par d'autres personnes autour de nous, par certaines situations aussi, de façon à ce que justement on puisse se rapprocher vers une vie qui va être beaucoup plus pleine, beaucoup plus saine. Et puis lorsque justement on encourage ce genre de vertus, ben, on va en voir beaucoup plus.